وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. L'interdiction de jeûner un ou deux jours avant Ramadan. La sagesse de cette interdiction, et Allah est plus savant, c'est premièrement de distinguer les adorations obligatoires des adorations surérogatoires. Car s'il n'y a pas de distinction, une rupture, une coupure, un espace-temps qui sépare les adorations surérogatoires des obligatoires, peu à peu, avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne différencieront plus. Deuxième chose pour laquelle, wallahu a'lam, une des sagesses pour laquelle cette interdiction a été légiférée, c'est d'éviter l'exagération en islam. D'exagérer, de vouloir en faire plus. Ah non, mais c'est Ramadan, on va rajouter dans l'obligation un jour avant et un jour après. 2 jours avant et 2 jours après. On va rajouter, au lieu de jeûner jusqu'au coucher du soleil, non, on va jeûner jusqu'à que la première étoile apparaisse dans le ciel. Tout ceci, c'est du roulou, c'est de l'exagération que l'islam a interdit. L'islam a interdit l'exagération comme il a interdit la négligence. Il y a justement un bon exemple, et cela, certaines personnes ici pourront en témoigner. Il y a certains pays où quand on enseigne la salat aux enfants, ils ne leur différencient pas des obligations, des surrogatoires, des nafilas, comme certains pays que je n'ai pas besoin de citer. Ils disent la prière de l'Isha, c'est 17 rak'at. Tu prends n'importe quel enfant de ce pays, ou même pas seulement les enfants, un adulte, tu lui dis combien d'unités de prière pour l'Isha, il te dit 17. Tu lui dis non, l'Isha tout seul, il dit 17. Il ne différencie pas, ni entre les sunan, ni entre eux ce qu'ils considèrent comme sunna, comme nafila, comme wajib, parce qu'ils ont des catégories. Et à la fin, pour lui, la prière de l'Isha, c'est 17 rak'at. Et tu trouveras la plupart des gens de ces pays-là, ils abandonnent la salat. Pourquoi? La prière de Dhuhr, c'est je ne sais combien de rak'at. La prière de l'Isha, 17 rak'at. Alors lui, il travaille la journée, il doit prier Dhuhr. 10 rak'at pour Dhuhr. Il dit, j'ai pas le temps de faire 10 rak'at. L'Isha, 17 rak'at. Car ils ne différencient pas chez eux, quand ils l'ont enseigné, tellement ils n'ont pas différencié. Et tellement aussi, ils ne font pas de séparation entre les obligations et les sunnas. Dès qu'ils disent salam alaikum, ils sont déjà debout pour faire des rak'at. Donc pour eux, tout ça c'est pareil. Pareil, tu trouveras chez certains peuples que la dua après la salat, ça fait partie de la salat. Personne ne se lève et part avant que l'imam il ait fait dua. Donc ils ont rajouté en islam une chose, d'où le fait que c'est une bid'a, c'est une innovation. Et pour eux, le fait de ne pas faire dua, c'est comme si tu n'as pas fini salat. La salat ne se finit pas avec taslim chez eux. La salat, elle se finit avec amin à la fin de la dua. Donc, dans le même principe pour le jeûne. Si on ne fait pas attention, si on ne sépare pas les œuvres surérogatoires des obligations, avec le temps, c'est comme ça que les bid'as, les innovations s'installent et que les limites des obligations est perdue. Non.